et bienvenue dans le journal du Hard. Alors ce soir, je suis avec Peltaru. Salut, bah écoute, ça va très bien et toi? Ravi que tu remplaces Trunks, enfin. Ah oui, oui, on s'en est débarrassé, on a réussi. Je suis pas là parce qu'il est indisposé pour le moment. Donc, en tant que bonne assistante, il a perdu trop de points sur Clash Royale, il était en PLS sur son lit. Ouais. Je suis également avec Yamato et Krakou. Comment ça va les gars? Tranquille, je suis même pas malade. On en a un qui est fatigué là-bas. Il est au bout de sa vie. Je suis tellement fatigué, putain. J'avoue. Et le chat, comment va-t-il? On vous voit. Il n'y a pas de son dans le micro, apparemment. C'est bon, voilà, il y a du son. C'est la faute à Théo. Exactement, c'est la faute à Théo. Donc voilà, oui, comme je disais, Trunks, pour l'instant, est indisposé. Donc j'assure l'host de cette émission. C'est une bonne excuse pour jouer à Clash Royale, quoi. Il joue à Clash Royale. Il essaie de passer les 2K5, là, d'ailleurs, l'enfoiré. Voilà, maintenant, ouais. Le micro est bon. Donc bonsoir, bienvenue dans le journal du Hard. Au programme aujourd'hui, les petits loups, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va commencer par les news, hein, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Vous allez me présenter quoi alors? Ça, on va pas le dire tout de suite. Hein. On faut teaser un peu les gens, tu sais. Ah, on tease alors. Parce qu'après... Et ensuite, on a un débat en fait sur les préjugés. Voilà, du style blonde ou brune, du style pain au chocolat ou chocolatine, pizza à l'ananas ou pas, quel est le meilleur Final Fantasy, enfin voilà. Granola Pépito. Exactement, Team Granola comme tout le monde sait. Team Granola. Hein. Exactement, et ensuite, on a des tests. Hein. Moi je suis Team Granola. Ah voilà, donc tout Team Granola. Sur ce plateau. Et après on a des tests, comme tu le sais très bien. Oui, je le sais bien. Voilà. Et voilà. Ah, et donc c'est parti pour le Jingle News. Alors, les news de la semaine, par qui commence-t-on? Qui est chaud? J'avoue que là, j'ai plus l'ordre spécialement en tête. Je pense qu'on va attaquer par Pentaro. Allez, bah. Moi, j'aime bien laisser. J'ai vu ton regard langoureux, je me suis dit, enfin, ça va être moi. Ah, tu veux commencer? Non, mais vas-y, allez. Go. Oh là là, ça se bat pour faire des news. À chaque fois, je finis et à chaque fois, tu me dis, bon, je te préviens, t'as plus que deux minutes. Quel enthousiasme dans cette émission. C'est aussi ça, le journal du blanc, riche, de 40 ans. Alors, justement, puisqu'on parle du loup, mon cher Pentaro. J'ai déclaré mes impôts aujourd'hui, Mon cher Pentaro, qu'on appelle aussi Overseas. The French Journalist. Exactement. Car il faut savoir que Pentaru voyage dans le monde, rencontre les grands de ce monde et ramène des infos fraîches, des scoops. Et t'étais notamment chez Acer pour suivre une conférence à New York. Et ouais. Dans le World Trade Center, 57e étage, avec une petite vue. Le 2.0, hein, pas le 1.0 forcément, mais qui n'existe plus. GG. World Trade Center 2.0. Donc t'es allé à New York chez Acer pour suivre la conf. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé de beau? Alors ils ont annoncé pas mal de produits. Hein. Alors j'espère qu'ils vont être au taquet pour les assets parce que là il y en a un paquet d'annonces. D'abord il y a le Switch Alpha 12 en fait, un PC donc 2 en 1, hein, du style Surface Pro. Alors, est-ce qu'il y a les assets? Non, il n'y a pas d'assets. Bon, bah tant pis. Il n'y a pas. Si, mais attends, attention. Non, alors ça, c'est pas du tout le Switch. Ça arrive. Tout va bien. C'est marqué Alpha 12. Attends avec moi. Le Switch Alpha 12 dans les assets. Ce journal de l'improvisation. Tu verras, mais c'est pas grave. Donc, il est concurrent de la Surface Pro, mais avec un refroidissement liquide. Donc, un peu comme la Surface Pro, en fait. Ouais. Voilà. Qui a un écran 12 pouces, comme son nom l'indique, avec un petit stand en fait derrière, un petit truc pour tenir l'écran, pour pouvoir le positionner en mode tente, pour qu'il se tienne correctement. En mode tente, voilà. D'accord. Normal. ensuite, alors il n'a pas trouvé la serre, mais c'est pas grave, on va passer à l'autre. L'Aspire S13, c'était celui que tu montrais justement, Texte. Alors ça, c'est le Chromebook 14. Non, ça, c'est l'Aspire S13. C'est pour ça. C'était l'Acer Chromebook. Donc écris bien tes assets, Pomelo. Ok, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est l'Aspire S13, en fait, qui est le concurrent officiel du MacBook Air made by Acer. Donc, voilà, donc Acer s'est dit, Apple vend des kilotonnes de MacBook Air à des prix hallucinants, donc nous, on va faire le nôtre. Sauf qu'il va sortir à $699, donc en gros 699 €. On espère. J'ai testé, forcément, parce qu'il y avait un showroom après, bien sûr, pour tester les produits. Clairement, en termes de matériaux, ça n'a strictement rien à voir avec un MacBook Air. Ça ne fait pas du tout quali comme un MacBook Air, mais ça a le même format, c'est aussi fin. Et etc. C'est un peu moins cher. Et c'est deux fois moins, cher. Quoi, donc forcément, Tu l'as peut-être dit, mais c'est quel OS? C'est du Win10 qui est dessus. Hein. Ah, ouais, c'est du Win10. Ouais, tout en Win10 maintenant. Ensuite, ils ont présenté un truc qui va vous intéresser un peu plus, le laptop de gamer, le Predator 17X. Voilà, avec une vraie 980 dedans, Nvidia.
Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est un système in and out, comme la fabuleuse chaîne de burgers, exactement. Comme les burgers californiens. Voilà, d'air. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voyez devant, en fait, c'est pas les haut-parleurs du tout, c'est des entrées d'air. Parce que l'air, en fait, donc, rentre par l'avant et est expulsé vers l'arrière, ce qui permet justement de pouvoir refroidir correctement la 980 qui est dedans. Donc, c'est pas une 980M, c'est une vraie 980 Nvidia. Voilà, donc là tu rentres par devant et tu sors par l'arrière, tu vois, tu rentres pas par derrière. C'est juste, beau. Attends, je voulais juste préciser une chose là-dessus, c'est que par rapport au Predator 17 qu'on avait testé dans le JDH il y a plusieurs ça semaines fait, déjà, ouais, voire, ça fait un moment, quelques ouais. mois, ça fait un moment, ouais. C'est pas mal de voir qu'ils ont corrigé notamment quelques problèmes, typiquement l'absence de G-Sync. Là, le 17X va avoir G-Sync intégré. Ah, ok, enfin. Ils ont aussi retirer le système de boîtier extractible qui permettait de rajouter un système de ventilation supplémentaire qui n'était pas super efficace. Et ils l'ont retiré pour revoir un petit peu leur système de refroidissement. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, donc ça, il était pas mal. Ensuite, ils ont sorti un desktop gaming, donc le Predator G1. Donc un nouveau boîtier PC desktop pour gaming avec une Titan X dedans. Voilà, parce que ça coûte, ça vaut plus rien. Hein. Pascal sort, pourquoi donc pas. Les Titans X, il faut vite brader les Titans. Voilà, exactement, les Titans X sont. Et il me semble qu'elles vont être. Sont en rabais maintenant. Elles seront abordables une fois que Pascal sera sorti. Bah, de toute façon, tout à fait. Hein. Donc en fait, l'intérêt, c'est un boîtier vraiment compact. Pour le coup, hein, c'est pas un gros boîtier. Donc c'est vraiment intéressant. Et pour les 1000 premiers clients en France, ils offrent la mallette de transport. Parce que oui, Acer a développé la mallette / valise de transport pour ce PC-là. Pour ceux qui font des LAN, etc. La classe. Voilà. Ça, c'est l'esprit e-sport. Exactement, ça, c'est e-sport Clash Royale. C'est e-sport, ouais. Tu vois, voilà, donc. Tampon. Putain, c'est fou, c'est un PC noir et rouge de gamer. Et, incroyable. Waouh. J'étais sûr qu'elle allait la faire. Ensuite, donc, ils ont. Voilà, donc Titan X. Et par contre, sur le show floor, ils n'avaient pas mis les Titan X dedans, ils avaient mis des 970. Donc, je les ai bien les mis mecs, en PLS. Les mecs, ils ont même fait des vidéos proches noir et rouge chez Predator. Les démonstrateurs. Noir et rouge. Bref, et ensuite, le Chromebook 14. Donc il lance le Chromebook 14 magnifique. Donc ça c'est intéressant quand même. Hein, c'est un tu en as un toi Chromebook? J'avais un Chromebook, j'ai fait gagner un de mes subs d'ailleurs. Tu l'as fait, le mec il fait gagner des Chromebooks. Ouais. Bah je suis comme ça moi. Oh là là, on est quand même dans un tel niveau de générosité. Ah bah oui, écoute, hein, de générosité. Team ISF ou pas team ISF. Okay. Bref, donc Chromebook 14 pouces, donc ça c'est vraiment pas mal, avec une autonomie annoncée de 10 heures. Donc vraiment, je pense que moi, je crois beaucoup en Chromebook. Hein. Pour moi, je trouve que c'est vraiment. Moi, je suis sur Spotify. Hein, c'est personne. Vraiment des super, qu'est-ce que c'est que ça ? Des super produits. Journal de la blague. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce Chromebook-là, surtout, c'est qu'il respecte tous les critères de résistance de l'armée américaine. Voilà, ça que ce soit en termes de température, de résistance au choc, etc. C'est un super argument de vente. Si tu veux aller faire le djihad, tu peux prendre un Chromebook. Mais voilà, un Chromebook Acer. Voilà, PC de la guerre sainte. Donc USA Army proved. Non mais voilà, donc ils se sont dit vraiment parce qu'il y a un marché qui est énorme pour aux US avec les armées américaines. Et donc bah voilà, le Chromebook 14 résistant, c'est compliant avec l'armée américaine. Big up à l'exécution sur le chat qui dit il n'a pas peur de l'argent, c'est bien. On n'a pas peur de l'argent. Bon, est-ce que c'est tout pour les produits non, Acer non, ou est-ce qu'il en reste non, c'est pas, ah, c'est pas fini, on continue, tu rigoles, quoi. C'est pas fini. Et non, après ils ont sorti un. Alors là, il y a le portable en mode continuum, c'est-à-dire qu'ils ont sorti un PC portable que tu branches sur ton Windows Phone pour avoir Windows 10 dessus en mode continuum. Donc ça, c'est. Je ne vois pas trop l'intérêt. Bah, si, ton PC portable, il a déjà Windows 10. Non, justement, là c'est un PC. Ça, ah, c'est un PC vide. Et c'est un ordinateur portable sans OS. D'accord. Et quand tu branches sur ton téléphone Windows Phone, du coup, tu peux utiliser la capacité Windows Phone, mais avec un clavier souris écran. D'accord. Alors, est-ce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un ordi portable ? Alors, justement, il va être annoncé officiellement en septembre et commercialisé en septembre-octobre à peu près. Donc, on aura les tarifs à ce moment-là. Mais ça peut être un truc super intéressant pour ceux qui veulent pouvoir faire du Word, Excel, PowerPoint, des emails, etc. sans avoir un vrai laptop. Au moins, si on te le vole, tu es sûr de rien perdre parce que tu n'as rien dedans vu que tu es tout dans ton téléphone. Pardon, d'accord. Voilà, ensuite, il y a le téléphone pour vélo et VTT, le Xplovia X5. Voilà, donc C-Tech peut envoyer l'asset qui te permet. Si, si, j'en ai mis un, mais c'est pas grave. Non, peut-être que je l'ai mal copié-collé, ça peut arriver. Ouais, bon, alors, donc en gros, c'est un truc qui a une caméra intégrée avec surface tactile où tu as toutes tes stats, où tu as les traces de ce que tu fais, mais ça peut déclencher la caméra en fonction de ton rythme cardiaque, par exemple. Ce qui fait que ça va filmer quand tu as les moments de stress ou des super descentes ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que voilà, ça, c'est un système intelligent d'enregistrement, donc j'espère pouvoir le tester. Assez rapidement, parce que ça a l'air bien, bien classe. Ensuite, le smartphone Liquid Zest Plus avec une batterie, accrochez-vous, de 5000 mAh. What? Ouais, sachant que le S7 Edge en a 3006, là, il en a 5000. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Alors, est-ce que ce sera
traduit par une durée record. Des fois, c'est pas le cas. Hein, non, bah écoute, il faut le tester pour le dire. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et pour finir, la dernière annonce magnifique, le Grand Pad. C'est l'iPad pour les personnes âgées. Voilà. Le Grand Pad. Exactement. Okay. Ils sont géniaux, ces marques. Ça, c'est voilà. Bien trouvé. Le Grand Pad, voilà. C'est donc, trouvé. C'est une tablette adaptée pour les personnes âgées. Bah, bientôt pour nous. Hein. C'est, voilà, c'est pour toi. Prévoit, hein. Moi, j'ai 25 ans. Donc ah, c'est vrai, Pentaho, tu es jeune. Et oui, voilà. Donc, c'était un peu les produits annoncés à Acer à New York. D'accord. Bon, globalement, rien de très surprenant. Voilà, quoi. Acer révolutionnaire. Reste dans les tendances du marché, du gamer, du. Exactement. Chromebook, de l'ultrabook. Voilà, le message. Mais après, c'est des produits plutôt solides et quand même souvent un ton en dessous en termes de prix par rapport à ouais. Notamment Apple, en termes de matériaux aussi hein, pour ouais. Le coup. Enfin, tu vois, ils sont pas réputés quand même pour être les meilleurs matériaux du monde. Quoi, alors donc, moi, je sais pas, les PC Acer que j'ai eu tenaient plutôt bien le choc en général. Je sais pas, Krakou, qu'est-ce que t'en penses, toi qui testes beaucoup de matos justement. J'ai pas eu énormément de produits Acer type mobile, donc que ce soit tablette ou. Ou autre. Par contre, le Predator avait laissé plutôt une bonne impression. Après, du côté des tours gaming, telles que le G1 là, qu'on a vu, je suis un petit peu moins... Un fan, ouais. D'accord. Pour le coup, bon, après, je suis habitué à monter mes PC. Et puis, globalement, je suis plutôt pour l'intégration. T'es un vieux de la vieille, toi. T'es un plus vrai que pour coup. Acheter des PC, déjà, tout monter. Tout okay. Okay, on peut dire qu'il est fanless, du coup. Il est fanless. Vu qu'il n'est pas fan. Oh là 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 là. Magnifique. Le journal de l'humour. Ouais, Ahmed dans les futurs best-of. Oh, j'étais je vais passer la parole. Je suis désolé, Krakou, mais Yamato, on va le perdre. Là, il est en train de décéder. Parenthèse. Avec des blagues pareilles, oui. Parenthèse interne. Sachez que tout le monde ne le sait pas, peut-être pas, mais Yamato s'est occupé du Red Bull Comité. Il était dans la technique. Et dans la technique, et ça me fait rire maintenant. Ils sont tout ça à cause des gens du chat. Du coup, mon cher Yamato, déjà toujours. GG pour le Red Bull Comité, merci. C'était mortel. GG aussi à Verdi, il est en coulisses, je sais pas s'il est encore là. Mais bravo à tous, c'était vraiment mortel. Et du coup, t'es bien fatigué, mais t'es quand même venu, voilà, tel un héros, pour nous parler des news de la semaine. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? Alors, moi, la première news que j'ai, c'est Apple qui s'est mis depuis quelques temps au recyclage de ses appareils. Et qui a notamment montré en vidéo le mois dernier un sympathique robot qui s'occupe de démonter les iPhones de manière extrêmement simple. Normalement, on devrait avoir la vidéo qui va popper, voilà. Et en gros, le but là derrière, c'était de récupérer toutes les parts de l'iPhone et de récupérer notamment les métaux et les terres rares qu'on trouve dans la plupart des téléphones, qui sont des ressources précieuses, qui coûtent cher, qui sont galères à extraire. Souvent, c'est dans des zones de conflit, tout ça. Et puis ces appareils, souvent, en fait, ils sont complètement jetés, abandonnés, tout ça. Donc Apple, effectivement, s'amuse à récupérer ces trucs. Bon, ce n'est pas uniquement pour faire genre on est des mecs de la nature et tout. Mais c'est parce qu'effectivement, ça peut s'avérer finalement assez lucratif puisqu'ils ont récolté, sur l'année dernière, une tonne d'or. Soit plus de 40 000 $ au taux actuel. Ah, quand même. Voilà. Ils ont récupéré plus d'1,3 million kilos de cuivre, donc. Et voilà, toutes les matières comme le cobalt aussi notamment, l'argent qu'on peut retrouver dans ces trucs. Alors effectivement, le processus de recyclage… Je viens de penser à Outzer. Je ne sais pas si tu as joué à Outzer sur téléphone, mais non. Quand tu parles de ressources, bref, hors d'accord. Sujet, continue. Ah oui, du coup, ils ont pu aller de planète en planète sans problème. Non, mais le truc en fait, c'est que, bon, effectivement, il y a une idée de faire genre recyclage, donc ça, c'est purement de l'image marketing, mais c'est aussi le moyen de pas être forcément… Enfin, de réduire en fait ces commandes de métaux rares et de terres rares parce que c'est… C'est difficile de, se procurer ce genre de choses. Et du coup, c'est tout bénef. Voilà. Belle initiative. Et en plus, du coup, ça leur fait quand même aussi un petit coup de com' sympa. Ça leur fait un gros coup de com' sympa. Voilà. Et en même temps, ça leur permet effectivement de récupérer. Ils joignent l'utile à l'agréable. Exactement. Donc voilà. Bien joué Apple sur ce coup-là. Et on continue avec… Une tonne d'or, j'ai dit. Ouais, une tonne d'or. J'ai dit un kilo. T'as dit… Non, je sais plus ce que t'as dit. T'as dit quoi? Une tonne d'or pour 40 000 $. D'accord. 40 millions, pardon. D'accord, donc ça fait 40 millions de dollars. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en tout cas, donc bien joué. On continue avec des rumeurs qui sont quasiment plus des rumeurs hein, à ce stade. Ouais, la PS4 et demi. Je pense, à mon humble avis, qu'il s'agit d'un secret de polichinelle. Donc la PS4K qui va désormais être la PS4, le nom de code apparemment est Neo. On sait du coup effectivement un peu plus sur les specs, donc on a toujours 8 cœurs, mais cette fois-ci ils ont été un petit peu overclockés, on en parlait la semaine dernière. La carte graphique effectivement qui double
ses unités de calcul, qui est légèrement overclockée également. La RAM qui bénéficie, à mon avis, de l'overclocking du processeur, qui du coup offre une bande passante un peu plus élevée. Et ce qu'on sait aussi également, c'est que Sony souhaite absolument que les anciens, enfin, que les propriétaires de l'ancien modèle puissent jouer au même jeu, donc il n'y aura pas d'exclusivité PS4K Neo. Il y aura juste en fait deux modes, et la PS4 Neo permettra juste d'afficher le jeu en Ultra HD. Alors, dans la plupart des cas, c'est de l'upscale, c'est-à-dire que ce sera une image Full HD qui sera mise à l'échelle en 4K avec un léger filtrage. Il est possible de faire des jeux en Ultra HD, mais voilà, chaque jeu devra disposer d'un mode Neo et d'un mode PS4 normal. Sachant que les jeux en multijoueur, les joueurs Neo pourront jouer avec les... Enfin, voilà. Donc, il n'y a quasiment aucune différence à part le visuel et le framerate. Ce qu'on sait encore également, c'est que Sony en fait, a l'air intransigeant dans son cahier des charges sur le framerate. Pour eux, c'est, voilà, toute la partie Neo, il faut qu'il y ait un framerate égal au moins au jeu de la PS4 normale. C'est-à-dire que si tu sors une console qu'on imagine un peu plus chère avec un nouveau hardware, etc., et que ça rame, les gens vont se dire pourquoi j'ai acheté ça. Alors, elle n'est pas plus chère, justement, parce qu'elle sera proposée à $399. En fait, ce sera une mise à jour, enfin, ça devrait être une mise à jour de la PS4 normale. Elle reprend le même stockage que l'ancienne, toujours selon les... Alors, c'est peut-être l'ancienne qui baisserait, alors, dans ce cas. Alors disparaîtrait, on ne sait pas trop. Ah, je trouve ça tellement sale. Alors, je sais que tout le monde a envie de dire plein de choses. Le chat aussi en parle et ça fait énormément réagir les gens. Je pense qu'on se fera un débat spécial là-dessus parce que là, on ne va pas en parler en deux minutes. Il y a des histoires de Xbox One améliorée également aussi. Il y a aussi des rumeurs sur Xbox. On fera ce débat avec Verdier. Je pense qu'on invitera Verdier. Il y a un million de choses à dire parce que c'est très, très, très important ce qui est en train de se passer là dans le monde des consoles. Mais ça reste du hardware, donc on en parle. On va passer la parole à Krakou. Il a attendu. Il est chaud comme la braise maintenant, mais c'est pour ça. Mais il passe toujours en dernier. Je te fais languir. Je te travaille, c'est le meilleur pour chaud. La fin, mon cher. Et on est à la bourre, mais en même temps, on a commencé l'émission à la bourre. Donc vas-y, Krakou. Voilà, je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle qui nous vient d'Intel, qui souhaite accélérer sa transformation. Alors, qu'est-ce que Intel entend par transformation? C'est assez simple. En fait, Intel souhaite limiter ses investissements dans un secteur du PC qui est en baisse, qui est en berne, qui perd des parts. Qui est en déclin continuel depuis maintenant quelques années, et Intel voudrait réaffecter ses ressources vers des domaines plus porteurs, notamment l'Internet des objets, les data centers et le cloud computing. Et notamment, Intel a un certain savoir-faire en matière d'intelligence artificielle et de deep learning qui pourrait leur servir dans le cadre de ces applications-là. Donc, évidemment, qui dit réaffectation, dit ressources, dit des équipes qui vont se retrouver sans mission. Et malheureusement, comme le capitalisme n'aime pas beaucoup les gens qui se tournent les pouces, Intel va licencier en tout cas 11% de ses effectifs. Et quand on s'appelle Intel, 11% de ses effectifs, ça coûte cher. Ça fait 12 000 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Aïe. Alors, en plus, la nouvelle, fait d'autant plus tâche que sur les trois premiers mois d'exercice fiscal de l'année, Intel a réussi à dégager un bénéfice de 2 milliards de dollars. D'accord, donc il gagne plein d'argent et il vire. Sur un chiffre d'affaires qui est un petit peu en dessous des 14 milliards, donc ma foi... En dessous de Microsoft, parce que Microsoft a fait 20 milliards. Microsoft, c'est Microsoft. Main sur le cœur. C'est Microsoft. Effectivement, la première réaction assez primaire serait d'entrer dans un magasin, d'acheter un drapeau à l'effigie avec le logo d'Intel imprimé dessus et d'aller le brûler en place publique, parce qu'il mérite que ça. Effectivement, la situation est assez difficile. Maintenant, il faut bien comprendre, pour relativiser un peu les choses, il faut bien comprendre que le move d'Intel, même s'il est triste, il n'en reste pas moins nécessaire. Quand ils disent que le marché PC va mal, c'est le cas. Tous les secteurs du marché PC ne sont pas à la baisse, mais la baisse est quand même relativement présente depuis quelques années. Et globalement, il vaut toujours mieux réorienter sa stratégie quand on a des sous pour le faire, plutôt que d'attendre et de se retrouver à restructurer, mais cette fois... pour aller chercher des économies et ne plus avoir les moyens de réinvestir vers des nouveaux leviers de croissance. On va dire, pour rester poli, qu'Intel anticipe. Voilà, ils anticipent. Par ailleurs, il faut noter que tous les domaines sur lesquels Intel souhaite miser sont des domaines potentiellement à forte croissance. Donc, si le mouvement s'avère payant, ce qu'on espère,
globalement, les emplois qui sont supprimés pourraient réapparaître sous une autre forme à terme. Exactement. Ouais, voilà, c'est pas, faut pas s'arrêter après, au fait qu'ils aient supprimé 12 000 emplois. Pour des boîtes comme ça, c'est des cycles aussi. Voilà, moi, j'en ai connu plein de plans sociaux, je peux vous le dire. C'est vraiment triste, mais... Retrouvez Krakou à la nuit debout, à République, chaque soir, autour, il fait griller des marshmallows, il fait des petits speeches. C'est une petite tribune sur Il a vécu beaucoup de choses. Après, si ça se trouve, je suis un gros naïf, les responsables d'Intel vont empocher le pognon et aller à la Barbade s'offrir de la coke et des putes. Bon, allez savoir. Bref. Et la suite, La suite, c'est comme d'habitude, hein, mes petites rumeurs sur Nvidia et AMD qui s'apprêtent à sortir leur nouvelle génération de GPU. Alors c'est plus que des rumeurs, là. Oui, c'est plus que des rumeurs. Oui. Chez AMD, on va aller très très vite parce qu'on va parler de la Radeon Duo Pro. Donc, c'est la carte BGPU dont les spécifications complètes ont fuité sur le net. Alors, sans surprise, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Vous les avez là qui s'affichent. Que savoir que ça chauffe beaucoup et que ça coûte cher. En fait, c'est deux puces Fiji XT. Putain, mais c'est rouge et noir, j'en peux plus. Aux fréquences qu'on attendait. Enfin, bref, c'était complètement attendu, donc on va pas, comme on a déjà parlé plein de fois, on va pas s'attarder là-dessus. Pourquoi ils font pas vert ? Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe du côté de chez Nvidia. Il y a deux sites étrangers qui sont ChipL et WCCF Tech qui ont diffusé les photos de ce qui sera normalement la puce GP104, c'est-à-dire une puce Pascal. Alors ici, il y a deux références de puces, en fait, GP104 400 et GP104 200. Et selon toute vraisemblance, ces puces devraient équiper respectivement les GTX 1080 et 1070. Bientôt, les prochaines cartes de Pentaru. Voilà, Et la tienne aussi. Mais non, mais on veut Polaris, ces machins, trucs là. Nvidia n'a pas... commenté. Nvidia ne commande jamais de toute façon, mais n'a pas confirmé que ces cartes s'appelleraient vraiment 1080-1070. Mais il y a des photos du carter de la carte de la carte de référence qui ont fuité, et visiblement, ce sera bien leur nom. On verra. La fameuse carte stock. La carte stock, voilà. Chère à Pentaro. Donc, ce qui était important sur ces photos, c'est qu'on a appris que la GTX 1070 visiblement disposerait de mémoire GDDR5, alors que la GTX 1080 va embarquer de la GDDR5X. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la GDDR5X, c'est juste une norme un petit peu plus péchue de la GDDR5 qui offrirait une bande passante théorique deux fois supérieure. Mais en dessous de la HD, rien que ça, deux fois supérieur. Ouais, deux fois supérieur. Donc, donc deux fois plus cher. Enfin, voilà. Non, pas de cher. Comment ? Donc pas de HBM dans la 1080. Alors voilà, c'est le cas. Donc les deux cartes embarqueraient 8 gigaoctets de mémoire, mais il n'y aurait pas de HBM ni dans l'une ni dans l'autre. Alors donc, expliquez un petit peu pour les gens qui nous regardent le HBM. La mémoire HBM, c'est la mémoire que AMD a lancé avec ses cartes Fury et qui permet notamment en gros de démultiplier la bande passante proposée pour les accès mémoire. Et donc finalement c'est une bonne nouvelle ou pas de l'absence de HBM ? Après, si Nvidia a décidé de ne pas embarquer de HBM, c'est probablement parce qu'ils ont estimé que le coût de la technologie était encore trop élevé par rapport aux performances que ça pourrait apporter. Après, rien ne dit. On sait que, puisque Nvidia a présenté ses cartes Tesla avec des GPU Pascal et ils embarquaient de la mémoire HBM. Donc on sait que cette architecture Pascal est compatible avec la mémoire HBM. Maintenant, reste à savoir si on va l'avoir sur des produits grand public ou pas. Il y a une carte encore dont on ne sait pas grand-chose, c'est la 1080 Ti. Qui sera le flagship le prochain flagship de Nvidia du côté grand public. Attends, la Titan Pascal, c'est la Tesla en fait, c'est ça ? La Titan Pascal, c'est des trucs de... Non, parce qu'il y aura sûrement une version Titan de Pascal. Oui, évidemment. Oui, évidemment. Peut-être. Mais... Et donc peut-être qu'elle aura la HBM. Il y a toujours des plusieurs. Et peut-être que c'est celle-là qu'il faut acheter. Je pense que c'est la Titan qui aura la HBM, en fait, à mon avis. On ne sait pas. C'est toute la question. Moi, je ne veux qu'une version HBM. Ah, mais moi, de toute façon, c'est pareil. Moi, s'il n'y a pas le HBM, j'achète pas. Pareil. Voilà, exactement pareil. Pas de HBM, pas de nouvelle génération, quoi. Voilà. Useless OZ. Putain, mais les mecs de droite, dommage, quoi. C'est... les mecs de droite. Rien à voir. Réduire la question à ça, c'est un peu dommage, quoi. OZ, on s'en fout. C'est une question de principe. Voilà, c'est une question de principe. On veut du HBM. C'est ça, c'est du HBM ou rien.
Le HBM. Quitte à un HBM, HBM hein. Sinon rien. Ah. Voilà. D'accord. Jamais sans moi HBM. Bah écoute, Krakoum, merci beaucoup. Non, mais je vous en prie. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On va marquer. Bah donc, du coup, vous savez que maintenant il y a deux pauses dans le JDH. On marque une courte page de pub, à peine, hein, 3 minutes, hein, mon petit tech. Et on se retrouve juste merci après. Merci Tech à la Réal. Merci Tech à la Réal et Théo. Et on et se retrouve Théo juste après pour la partie débat. À tout de suite. Et voilà, de retour en direct dans le journal du Riche avec le même parterre de chroniqueurs de qualité. Riche. On est bien. Riche et très, très, extrêmement riche. Ça se passe à Levallois, il faut le savoir. Une ville de riches. Et je vois beaucoup de gens de qualité sur le chat puisque je vois des petits smileys sub de plus en plus. Mais regardez-moi ça, c'est ouf quoi. Xolawa, Captain Mazet, UG Mountain, Fekrator. Le mec Fekrator, il est sub et il est turbo sur Twitch. Pas chez moi. C'est-à-dire qu'il est plus riche que les riches, tu vois. Il est pas sub chez moi. Ouais, il est pas sub non plus. Mais en tout cas, je suis impressionné et voilà, on est bien entre nous. Du coup, j'arrête de dire n'importe quoi et on va passer. Alors qu'il y a 5 minutes, tu disais on est à la bourse. J'arrête de dire n'importe quoi et on passe au débat de la semaine juste après ça. Jingle débat. Et voilà, bien sûr, j'ai déclenché la guerre sur le chat parce qu'il y a tous les pauvres qui du coup, s'en prennent à ces pauvres privilégiés. C'est incroyable, vraiment. C'est pas l'esprit de l'émission. On va commencer ce débat qui est plus une idée, en fait, de dossier proposé par Pentarou. Par Krakou. Et que moi, j'ai trouvé très cool. En fait, on cherchait une idée de débat. Krakou, est-ce que tu as un débat? Et Krakou m'a proposé de s'attaquer aux préjugés. Vous savez, merci d'avoir mis du respect. Il y a des préjugés raciaux, il y a des préjugés sur les gens qui gagnent bien leur vie, on leur en veut, etc. Et c'est pas normal. Et dans le hardware, c'est pareil. Et en fait, on s'était dit, est-ce qu'on peut démonter 2-3 préjugés bien installés dans la tête des gens dans cette émission? On n'en a pas 50, mais il y en a quelques-uns qui reviennent quand même assez souvent. Voilà, bien installés, je ne sais pas, mais en tout cas, qui reviennent souvent toi qui es journaliste dans le hardware depuis que la presse existe, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose à quoi, des choses auxquelles tu as été confronté assez régulièrement. Donc, je vais commencer par toi cette fois. Hein. Je t'ai fait l'envie pour les news. Vous. Mais de ton côté, y a-t-il des choses que tu entends très souvent? Je veux dire, un gros marronnier, machin, mais AMD, ça plante. Voilà, ce genre de truc. Et en fait, c'est faux. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as envie de défendre ou d'attaquer? Ouais, on en a beaucoup. Après, j'en ai sélectionné 3 parce que on va pas faire le tour de tous les préjugés qui existent dans le hardware. Il y en a tellement. C'est clair. On va commencer avec typiquement un préjugé qu'on retrouve souvent sur les forums ou dans les discussions qu'on a dans les commentaires sur les chats. Par exemple. Un PC gamer, c'est forcément noir et rouge. Non, regardez Alienware, c'est vert. C'est noir et vert aussi. Typiquement, un PC gamer, voilà, ça doit avoir une alim monstrueuse, 600, 700, 800 watts. 1200 watts. C'est obligatoire, sinon... Alors, l'alimentation d'un PC gamer. Voilà. Alors moi, c'est une vraie question que je me pose, parce qu'il y a des labels. Quand tu achètes ton alim, tu sais, il y a bronze... C'est bronze, silver, gold? Comment ça marche? Bronze, silver, gold, c'est 80+. En fait, ça définit la qualité du rendement. La qualité du rendement, ce que tu vas pouvoir dégager. Alors justement, explique un petit peu comment ça marche tout ça et ce qu'il faut ou pas acheter. Globalement, il faut savoir déjà que des alims de 1000 watts, effectivement, ça existe, mais c'est réservé à des besoins bien précis. C'est-à-dire que si vous avez une tour gaming classique, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin d'une telle puissance. C'est hors de proportion. Typiquement, j'ai fait quelques essais pour vous donner quelques chiffres. Donc sur un Core i7 5820K, donc c'est un Core, un Core Broadwell qui a 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques, accompagné d'un système de stockage classique, donc SSD avec un disque dur mécanique à côté, et 16 Go de RAM, pardon, et j'ai équipé tout ça de différentes cartes graphiques. Donc avec une 970 overclockée, eh ben, une configuration comme ça, vous arrivez à une consommation à la prise maximum d'environ 300 watts. Maximum. Hein. Donc tout au taquet. En overclockant ta carte graphique. Elle est overclockée d'usine. Non mais 300 watts en jeu tu fais tourner jeu tout à fond. En fait, tu fais tourner deux types de benchmarks qui viennent pousser à la fois le CPU et le GPU au maximum de leurs possibilités. Donc, tu viens envoyer des instructions, des demandes, des commandes au CPU, au GPU, de manière à ce qu'ils tournent vite.
et à ce qui consomme le maximum d'énergie à la prise. Et tout ça, ça fait 300 watts maximum. Bon, là, sur, aussi, là tu m'as bluffé. Là, parce si que on, je prend, pas cru, si on prend le cas d'une GTX 960, on monte à 250 watts environ. Donc c'est un peu moins, ce qui est normal. Si vous prenez une 950, une carte d'entrée de gamme, vous ne dépasserez jamais les 200 watts. Et si vous prenez une AMD, c'est 500. Alors, non, je rigole. Je troll. Malheureusement, c'est un tort, hein, mais j'ai pas eu le temps de faire de carte AMD. Si tu fais du SLI, ça consomme combien ? Comment ? Si tu fais du SLI, ça consomme combien ? Alors, je vais y revenir après. Je vais terminer avec les cartes mono GPU. Sur une GTX 980 Ti overclockée, donc c'est ce qui se fait de plus consommateur, en tout cas de ce qui se fait de plus puissant en termes de carte graphique aujourd'hui, au maximum, vous serez entre 400 et 450 watts. Alors, donc, en gros, quand on vous conseille pour ce type de configuration, que ce soit du milieu de l'entrée ou du haut de gamme, pour des GPU, enfin, voilà, conseiller des alimentations à 700 ou 800 watts, c'est hors de proportion complètement. Alors moi, j'ai un outil à conseiller aux viewers. Ce n'est pas une OPSP, mais il y a Cooler Master qui a réalisé un outil qui s'appelle PSU Calculator. Tu rentres ton processeur, ta carte graphique. En plus, il te prend spécifiquement quel processeur, quelle carte graphique, overclocké ou pas, le nombre de disques, le nombre de RAM, le type de carte mère suivant le format, et te faire un calcul. Bon, évidemment, à la fin, il en profite pour te glisser la référence équivalente de Cooler Master d'Alim que tu dois prendre, mais il te dit jusqu'à combien va consommer ton PC. Ah, c'est très pratique. Ouais, okay. Ouais, en watts. Ok, bah donc on est dans cette thématique, d'accord. Du coup, effectivement, bah, il faut toujours prendre une marge de sécurité parce que bah, l'alimentation n'a pas forcément... Bah, c'est ça toute la question, c'est quoi la marge ? Là, tu m'as dit 300 watts. Et moi, honnêtement, pour le PC que tu as décrit au début avec la 970, je sais d'expérience qu'en boutique, on va dire, prends une 700. Prends une 700, 600, 700. Là, tu doubles quasiment le... C'est quoi pour toi une bonne marge de sécurité dans ce cas-là ? La marge, ce serait 20%. C'est 20%, ouais. Donc toi, pour le PC du début, tu dirais qu'une 500, ça suffit. Et une Alim 500 watts, ça ne coûte pas très cher. Exactement. Après, tu peux avoir d'autres besoins. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux faire un peu d'overclocking, tu vas pousser un peu tes composants. Du coup, tu vas consommer un peu plus. Donc, globalement, pour la 970 dont on parlait... Attends que je ne dis pas de bêtises. Voilà, pour la 970 OC dont on parlait... Une Alim de 400-450 watts, ça suffit très largement. Même si tu viens overclocker tes composants, tu n'auras jamais de soucis particuliers. Alors après, il y a plusieurs choses dans une Alim. Il y a la puissance et il y a, tu parlais de rendement, machin, il y a aussi la qualité de l'Alim. J'ai lu énormément de guides PC où on te dit, si tu prends l'Alim no-name, vraiment bas de gamme, alors, qui a peut-être assez de watts mais qui risque de griller, ça peut t'abîmer ton ordinateur. Ouais, c'est quoi ton point de vue là-dessus ? Bah, globalement, si on veut une machine, on va dire, de milieu de gamme ou de haut de gamme, il vaut mieux prendre une alimentation 80+, c'est-à-dire qui assurera un certain niveau de rendement. Après, pour ce qui est des alim non-name, tout est une question de proportion, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens de prendre une alim non-name sur une configuration qui a un certain prix, parce que... tu auras des composants qui vont beaucoup consommer et qui vont pousser l'alim un petit peu dans ses retranchements. Typiquement, par contre, sur une configuration d'entrée de gamme qui va te pousser au maximum à 200 watts, prendre une alim non-name de 400 watts, je veux dire, avec ça, tu n'auras pas de problème. Et c'était un sujet de débat que j'avais eu notamment avec des gens de Grobil dernièrement, et qui m'expliquait que, généralement, le taux de retour qu'ils avaient sur les alimentations non-name était inférieur au taux de retour qu'ils avaient sur les alimentations dites 80+. Alors après, voilà, C'est aussi parce que ce n'est pas la même utilisation, voilà, peut-être. C'est exactement ça. Il faut bien replacer les choses dans leur contexte. S'ils ont moins de retour, c'est aussi parce que les machines avec lesquelles elles sont montées... Les machines de bureautique. Voilà, sont beaucoup moins exigeantes. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est bien cibler l'usage qu'on va faire de sa machine et acheter des composants relativement homogènes dans leurs caractéristiques. Ok, donc on retient ce bon conseil de Krakou et voilà, ça casse un petit peu le préjugé. Et moi, du coup, je voulais rajouter un petit truc. C'est pas parce que vous avez acheté une Alim de 1200 watts que vous allez pomper 1200 watts en fait dans l'Alim. L'Alim, au final, elle va pomper. Bah, si votre PC prend 300 watts et que l'Alim fait 1200 watts, ben, vous aurez 300 watts à la prise. Donc, c'est pas parce que vous avez une énorme Alim que vous allez effectivement faire exploser votre config, votre facture EDF. Ok, ça c'est du bon. Du coup, les grosses Alim, en fait, moi, je les conseille pour les utilisations 24/7. Voilà, les PC qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ben moi je préfère mettre des grosses alim, même si tu consommes que 300 watts. Non, tant que tu, dans ce cas-là, tu prends même avec une 500 watts, tu es large de là. Après, c'est vrai que dans les alim plus chers, tu as des meilleurs composants.
aussi. Et pour un truc qui tourne tout le temps. En durabilité, c'est juste une question de marque et de choix des produits. Tu prends une Seasonic 300 watts, c'est des composants d'excellente qualité dedans. Ce n'est pas une OPSP Seasonic. Voilà. Tu as le droit, c'était des marques. Je vais préciser à chaque fois. On parle bien d'AMD et de Nvidia toutes les semaines. Oui, bien sûr. Voilà. Allez, deuxième préjugé. On continue, alors deuxième préjugé. Allez, deuxième préjugé, ça c'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans un précédent dossier. Les drivers, les pilotes et les logiciels propriétaires qui polluent notre espace en mangeant nos ressources CPU et notre mémoire vive. On en avait parlé justement. Et qui ralentit nos jeux. On oui, en avait parlé de ça, de tous les logiciels pollueurs. Tout à fait. Alors après, est-ce qu'ils polluent votre environnement parce qu'ils sont là, parce que la plupart des fonctionnalités qu'ils vous ont proposées sont inutiles? Oui, pourquoi pas. Après, est-ce qu'ils ralentissent votre machine? Est-ce qu'ils pompent vos ressources CPU ou mémoire? Non, certainement pas. Seasonic Trunks d'ailleurs. C'est ma marque préférée, Seasonic. Il y a sans doute une époque où c'était le cas. Faut pas le nier. Et même pendant longtemps, les fabricants de périphériques étaient jugés à la fois sur la qualité de leurs périphériques, mais aussi sur ce que consommaient en fait en ressources CPU et mémoire leurs logiciels associés. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité pour une raison très simple, c'est que les CPU ont largement les capacités de gérer des pilotes aussi peu gourmands. Et par ailleurs, aujourd'hui, des machines de type gaming embarquent en général suffisamment de mémoire vive pour gérer tout ça sans trop de problèmes. Typiquement, je vous ai fait aussi encore quelques mesures de process, par exemple sur le Corsair Utility Engine, qui est le logiciel de gestion globalisée des périphériques Corsair. Il prend à peine 80 mégaoctets en mémoire vive. Ouais, ça va. Alors, je vais parler de mémoire vive, je ne vais pas parler de consommation CPU, parce que là, on est quasiment en permanence en dessous de 1%. Donc, c'est complètement négligeable. Le Logitech Gaming Software, c'est 30 mégas en mémoire. Alors, Nvidia, eux, c'est un peu plus, parce qu'il y a pas mal de... Notamment, ça fait plus de choses aussi, puis ils ont pas mal de services liés à GeForce Experience. Du coup, Nvidia, ça monte à 170 mégas. Et Razer également, qui a une suite logicielle qui est très fournie et qui gère pas mal de services, monte à 160 mégas. De toute façon, on a tous des disques durs de 10 teraoctets et 32 gigas de RAM. Là, il parle de la RAM, c'est ça. Mais voilà, ramener à 8 gigas de RAM, c'est juste que dalle. Et par ailleurs, il faut voir qu'il y a des process que vous pouvez utiliser régulièrement, qui ouvrent des process que vous utilisez régulièrement comme Office, comme Chrome, comme Internet Explorer, qui consomment 3 à 4 fois plus que ça. Oui, et puis comme on l'a dit, la RAM aujourd'hui, on a tous 16, voilà. 32, en gros, 64. Pas 32 gigas, Trunks. Il n'y a que toi qui a 32 gigas de RAM. Hein. Même moi, je ne les ai pas. Hein. Vous voulez rire? Non. Il n'y a que toi qui a 32 gigas. Hein. Moi, j'ai 16, hein, c'est tout. T'as pas 32 gigas? Ça sert à rien, 32 gigas. Voilà, alors, ça sert à rien? On va arrêter cette émission tout de suite. Allez, je suis viré. Un débat dans une prochaine émission. Je reprends juste une question sur le chat. Il faut bien préciser les choses. Il y en a qui disent effectivement les logiciels de toute façon ça sert à rien. Oui, ça peut ne servir à rien. Mais quoi qu'il arrive, les avoir ou pas ne changera rien sur les ralentissements que vous pourrez avoir sur un jeu ou pas. Après, certains drivers peuvent avoir des bugs et provoquer des fuites mémoire ou des choses comme ça, mais c'est vraiment des problèmes ponctuels aujourd'hui. Ce n'est pas des choses permanentes. Donc voilà, n'hésitez pas à installer ces logiciels s'ils vous servent, parce que du coup, ils ne servent à rien, mais en tout cas, côté mémoire, ce n'est pas si dramatique non, que ça. Et troisième préjugé, cassons les préjugés. Allez, et un truc que je retrouve souvent aussi, ça, quand je fais des guides techniques sur les jeux PC, typiquement sur Fallout, Fallout 4, Far Cry Primal, des choses comme ça, il faut absolument un processeur 4 cœurs aujourd'hui si on veut faire du gaming. Un i7 plus précisément. Alors, en général, on peut mettre ça avec, c'est vrai. Un gros processeur global. En général, le mec qui veut s'en PC gamer, il se dit je vais prendre un i7. Alors, déjà, d'une part, c'est pas nécessaire parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun jeu qui réussisse. Véritablement à mettre à genoux un processeur. Tout le calcul en fait est tellement déporté vers le GPU qu'aujourd'hui les processeurs la plupart du temps ils se tournent les pouces tout simplement. Et le 4 cœurs en fait c'est pourquoi la thématique particulière du 4 cœurs c'est notamment parce que tu as beaucoup de spécifications spécifications matérielles minimum sur les jeux PC qui imposent maintenant des processeurs 4 cœurs. Or c'est pas tout à fait vrai. Dans les faits, quand je fais mes vérifications, c'est-à-dire que je diminue en fait sur mon CPU le nombre de cœurs disponibles, en général, j'arrive à monter à 2 cœurs avec hyperthreading. Donc en fait, ce n'est pas 4 cœurs minimum, c'est 4 threads. C'est 4 cœurs logiques en fait. Voilà, 4 cœurs logiques. Donc 2 vrais cœurs. Pas 4 cœurs physiques. 2 vrais cœurs. Avec 2 threads. Qu'on peut, avec 2 threads, voilà. Enfin, avec 2 vrais cœurs physiques qui peuvent gérer chacun 2 threads. Et avec ça, ça marche. Et notamment sur tous les moteurs de jeu
qui posent des problèmes avec des processeurs de cœur. C'est le cas du Frostbite Engine, c'est le cas de quasiment tous les moteurs Ubisoft. Si vous les lancez avec un processeur de cœur, vous aurez des merdes, vous aurez des performances dégueulasses, ou les jeux ne démarreront pas. D'accord. Si vous le lancez avec des processeurs de cœur, mais qui sont capables de gérer l'hyperthreading, à ce moment-là, ça va tourner. Ok, et côté marque, on parle beaucoup d'Intel, mais les AMD suffisent à jouer aujourd'hui? Ça, c'est vraiment une question. Je sais, c'est une question malheureusement assez large, et c'est une question sur laquelle j'aimerais me pencher. Ouais, et tu l'as dit, c'est la carte graphique qui fait tout le taf en vrai. Ouais. Après, ça, c'est en mode rumeur. La populace, dira-t-on, tend à dire qu'effectivement, en matière de gaming, les processeurs AMD sont moins efficaces que les processeurs Intel. Après, est-ce que je l'ai vérifié? Non, j'ai pas pu. Est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais bien vérifier? Oui, parce que je suis pas convaincu que ce soit quelque chose qui soit vrai sur toutes les applications gaming. C'est-à-dire que typiquement, sur des cartes graphiques d'entrée de gamme, je suis pas sûr qu'un processeur AMD fasse une différence face à un processeur Intel. Même sur le milieu de gamme, d'ailleurs. Et globalement, c'est vraiment une question intéressante que j'aimerais bien creuser. Je pense que la différence des processeurs entre Intel et AMD se ferait plus sur ce qui est virtualisation. Je pense que c'est là où tu verrais plus la différence en fait, entre les deux, à mon avis. Et encore, c'est à voir. On sort des applications gaming. Oui, ah ouais, je sais, mais juste pour expliquer, à mon avis, ça serait là où il faut le tester. Bon, merci beaucoup, Krakou. On va passer la parole à Yamato, qui, lui, voulait évidemment parler écran. Qu'est-ce qu'on entend comme sale rumeur du côté... Enfin, mauvais préjugé du côté des écrans. Qu'est-ce qu'il faut? On dit, il faut acheter ça absolument. En fait, maintenant, il y a de plus en plus de marques qui essaient de te faire croire que si tu n'as pas un écran gaming, tu ne peux pas jouer. Or, il est tout à fait possible de jouer avec des écrans en DAL IPS ou des écrans bureautiques à 150€, il n'y a absolument aucun problème. Effectivement, jouer sur un écran gamer noir et rouge, ou vert et noir, parce que oui, il y a aussi du vert et noir, comme disait Pintaro tout à l'heure, on n'en parle jamais assez, c'est catastrophique. Mais c'est vrai que c'est des dalles en général qui sont de très bonne qualité, qui sont très réactives avec les pixels qui changent de couleur tout de suite, on a des technologies pour réduire le flou pendant les mouvements, mais c'est vrai que bosser sur un écran IPS de bureau à papa, on peut quand même jouer, enfin, faut pas déconner. Alors après, évidemment, la question c'est, tu dis qu'on peut jouer sur des écrans IPS, mais il y a des intégristes, voilà, toi qui fais beaucoup de jeux de combat, les joueurs de FPS et tout ça, est-ce qu'ils vont te dire oui mais non, pour moi il n'y a pas moyen, enfin... Alors justement, les intégristes, enfin le jeu de combat c'est un très bon exemple, parce que le jeu de combat est un jeu finalement relativement statique et lent par rapport à du fast FPS ou à ce genre de choses. En gros, là où les écrans IPS ils vont montrer leurs limites, ça va être notamment sur les FPS, où quand tu te déplaces, tu as tout l'écran qui bouge puisque tu changes de scène sur tout l'écran. Tandis que l'écran de jeu de baston, tu as besoin de te focus au final que sur deux personnages. Donc en fait, le problème des écrans, c'est qu'ils prennent plus ou moins de temps à changer de couleur par pixel. Et du coup, ça va induire du flou sur les mouvements très rapides. Par exemple, les déplacements dans Counter-Strike sur un écran IPS, l'environnement effectivement est flou, mais on voit quand même il y a un couloir, à droite il y a une caisse et tout. C'est moins optique qu'un écran gamer, certes, mais pour le commun des mortels, c'est parfaitement jouable. D'accord, donc en fait, pour monsieur tout le monde, pas forcément la peine. Après, ouais, voilà, pour être très pragmatique, tu es gamer, tu veux mieux jouer, c'est clairement mieux de mettre beaucoup d'argent dans une carte graphique que dans un très bon écran. Voilà, entre les écrans gamer et le bureautique pourri à 120 balles, tu as quand même une moyenne, un petit écran TN à 150€, voire même 120€. Le TN est suffisamment rapide pour jouer, tu n'as pas toutes les technologies d'amélioration d'image et tout, mais au final... Après, moi, je suis plutôt de l'école d'acheter un bon écran dès le début, et une carte graphique un peu moins bonne, parce que l'écran, tu le garderas sur plusieurs générations. Ça c'est vrai aussi. L'écran, on peut le garder 6, 7, 8 ans. Si on n'a pas de problème de pixels morts ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est plutôt un... Je trouve que c'est un moment... Bon, je sors un peu du débat, mais là, c'est un moment délicat pour acheter un écran avec la 4K qui arrive bientôt, les incurvés, les 2110, le... Comment ça s'appelle, le G-Sync, etc. Ça bouge beaucoup, je trouve, dans le domaine des écrans. Et c'est moins simple qu'à notre époque, tu te souviens, Benny, Krakou, il suffisait de dire, prends un Diamond Tron, c'est un Mitsubishi, prends un cathodique avec un tube Diamond Tron, tu t'en fous, ce sera bien. Ou un Yamaha, et là, tu es sûr que ce sera bien. Maintenant, tu as quand même un choix qui est assez hallucinant. Et justement, Yamato, peut-être qu'on reviendra dans une prochaine émission sur un guide, peut-être que tu pourrais faire un petit guide qui dit, voilà l'étendue, voilà tout ce qui existe, voici les technologies, voilà ce que moi je vous conseille, parce que franchement c'est un peu la jungle. Merci Yamato. On termine avec Pentaru
qui voulait, voilà, qui critiquait les gens qui sont en train de jouer les drames, mais c'est pas ça dont on va parler. Ouais. Moi, je voulais parler en fait des préjugés sur les antivirus, où maintenant, il y en a qui pensent qu'il faut toujours encore installer des antivirus en plus de l'OS, que ce soit sur Mac ou que ce soit sur T'as sur pas d'antivirus, Windows. Toi Non, et ça fait depuis t'as des T'as pas d'antivirus Ça fait depuis des T'es monsieur sécurité réseau d'une ville entière et t'as pas d'antivirus. Exactement, parce qu'en fait, l'antivirus sur Windows, surtout le 10, ça ne sert strictement à rien du tout, sauf à te faire dépenser de l'argent, à te faire flipper, et pour le coup, à consommer du CPU et de la RAM, parce qu'un antivirus, Dieu sait que ça consomme du CPU et de la RAM. Donc voilà, donc je vous fais économiser 80€ par an de renouvellement de mise à jour des signatures, etc. Parce que vraiment, il faut savoir que depuis Win10 et même sur macOS, globalement, les OS sont quand même bien sécurisés. Ils sont mis à jour très régulièrement avec Windows Defender, etc., etc. Et par contre, il y a un autre préjugé où on disait qu'avant, macOS, c'était super sécurisé comme OS, bah, ça devient le moins en moins, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand Mac représentait 0,1% des PC dans le monde, forcément, les hackers et les créateurs de virus ne s'en occupaient pas parce que c'était beaucoup de temps dépensé pour une cible très faible. Alors que maintenant, justement, ça devient la mode Apple, ils grognotent des parts de marché et on voit de plus en plus, en fait, des failles de sécurité qui sont découvertes, donc des failles zero day qui sont découvertes sur Mac. Et voilà, et donc, pour moi, maintenant, c'est vrai que l'antivirus, j'en ai pas installé depuis au moins 5-6 ans et ça ne me sert strictement à rien. Et si on ne va pas sur des sites un peu bizarres et on ne clique pas sur des liens un peu bizarres, on n'en a strictement pas besoin. Sur Cocoland, par exemple. J'en sais rien. Ou alors, voilà, si tu t'appelles pas Karaté, que tu cliques sur des trucs chinois et tu désactives le firewall pour installer un truc chinois pour jouer à Clash Royale pendant un stream, t'as pas besoin d'antivirus. Par contre, les PC d'ici, ils ont besoin de plus que d'antivirus, en fait. Ils ont besoin d'un anti-Karaté. Je pense qu'il faut qu'il ait son PC perso. Ah, mais c'est ça, c'est clair. Quand je l'ai vu faire ça en temps réel, j'étais ouf. Une OPSP dans laquelle tu lui négocies un PC de ouf, comme ça, il a plus à venir sur les fonds verts à fond. Oui, mais il sera moisi au bout de 2 semaines. Il sera moisi au bout de Ah, mais ça, c'est vrai, c'est pas notre problème. C'est son outil de travail. S'il gagne plus d'argent, c'est dans la merde. Donc il fera peut-être attention si c'est le sien. C'est vrai, on va le responsabiliser. Voilà, donc très clairement. Donc on n'installe plus d'antivirus. Bah là, mais... si on sait ne pas cliquer sur des sites russes ou des liens chinois, pas comme fait Karaté, on n'a pas besoin d'installer d'antivirus. C'est terrible ce que tu dis quand même, c'est-à-dire qu'il y a toute une industrie qui va crever, oui, qui est déjà en train de crever. Mais l'industrie fait exprès aussi de faire flipper les gens et de dire voilà, il faut que tu installes un antivirus parce que. C'est vraiment je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en fait il est tellement envahissant l'antivirus, il vient de dire toutes les 2 secondes, je me mets à jour, installe ça, j'ai scanné ta clé USB. Ouais, ouais, et en fait et en plus il te fait perdre des perfs. Il te fait chier quand tu veux craquer Photoshop, il te fait c'est pas bien, il y a un virus. Mais tu sais quand t'as un malware et que t'installes les anti-malwares qui sont pires que le malware, et après il vient de faire chier toutes les 2 secondes, enfin ça c'est vraiment insupportable. Moi j'ai l'habitude de dire que l'antivirus c'est le virus en fait. Parce que ça te consomme des ressources, ça te fait parfois, chier tout le temps, tu vois, et ça te fait ramer ton système. Voilà. Eh bien, merci pour cette mise en garde, mon cher Pentarou. On a déjà un petit peu débordé. On va passer à la deuxième pause et on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission. Ce sera les tests. À dans 3 minutes. On a la régie qui fait les bruitages quand il y a le logo et tout. De retour dans le générique. Les effets de tech. En direct, comme chaque lundi soir, avec la fine équipe. Ça va toujours bien. Oh, ça y est, Yamato, il est parti. Je sais pas si je suis très fin, moi, en fait. En tout cas, t'es en bonne santé cette semaine. Tu es de repos demain, Yamato, c'est cool. T'es en repos demain. Ouais, demain après-demain. En repos, bon, ça va te faire du bien. Et on va attaquer la partie test. On va d'abord montrer une petite image. Tech m'a montré un truc en régie et je sais qu'Yamato avait envie de le voir. C'est un petit clin d'œil. Est-ce que tu peux montrer ça, Tech? C'est personnel, mais voilà. C'était le nouveau Ventirade de Tech. Et comme il est bien rouge et noir... C'est un couleur master. Dans sa tour gamer rouge et noir, il voulait te montrer qu'il avait du goût. Voilà. Moi, j'ai pris un PC LDLC cube et moi, je suis team néon bleu. T'as pris un cube? Ouais, le cube, c'est très bien. Hein. C'est très bien aussi. En tout cas, voilà, le petit Ventirade de Tech qui est exactement dans le thème de l'émission. On va passer au test matos de Pentarou, qui, lui, va nous parler d'un onduleur. Ouais. Alors ça, c'est pas banal, c'est la première fois qu'on en parle dans le JDH. Ça, c'est vrai. Peut-être la dernière. Est-ce que déjà, tu peux nous rappeler... le jingle test. Le jingle test. J'oublie à chaque fois. Depuis qu'on a changé le rythme de l'émission, j'oublie à chaque fois. C'est jet lag l'émission. Du coup, Pentarou, un onduleur, à quoi ça sert déjà? Un petit peu de pédagogie. J'ai voulu parler de l'onduleur, en effet, parce qu'on n'en parle jamais. C'est un peu l'oublié. Bah oui, alors. Voilà, et c'est vrai que je pense à tous les minorités. Gens qui... la minorité riche, justement, à tous ceux qui claquent 1500-2000 euros dans les configs gamers et qui ne les protègent pas électriquement parlant.
Et moi, je voulais parler de ce petit truc dont on parle pas très souvent. L'onduleur, en fait, ça sert à quoi ? Ça sert à protéger le PC des surtensions électriques, mais également, si l'électricité tombe, à pouvoir alimenter électriquement le PC. C'est-à-dire que tu as, en fonction de l'onduleur... Ça, c'est une tuerie. C'est-à-dire que tu es en train de faire ta partie de Clash Royale, machin, ou ça plante. Et, bah, tout... et hop, tu continues à jouer. Et exactement. Ah oui, mais en même temps, tu perds Internet. Alors, non, laisse-moi finir. Si tu branches ta box sur ton onduleur, tu ne perds pas Internet. C'est ça l'avantage. C'est une tuerie. Donc, voilà. En fait, quand tu es e-sport. Ouais. Tu as besoin, faut que j'achète un onduleur. Bah voilà. Et donc, justement, le modèle que j'ai en fait, que j'utilise à la maison, voilà, c'est l'APC. Et il a donc plusieurs choses. Donc déjà, il protège contre les surtensions, première chose. C'est-à-dire que si tu as une surtension chez toi, un plomb saute. Je banne un mec. Voilà, c'est bon, vas-y. Ok, c'est fait. Autre chose aussi, bah voilà, un préjugé, c'est on pense que l'onduleur charge continuellement la batterie, mais en fait non. Maintenant, il y a un système de bypass qui fait qu'une fois que la batterie est chargée, il arrête de la charger, etc. Enfin, il joue constamment pour faire. On trouve aussi maintenant sur beaucoup d'ordinateurs. Voilà, sur ordinateurs, on fait ça aussi maintenant, on arrête de charger la batterie continuellement. Voilà, une fois qu'il est à 100%, bah, il ne charge plus la batterie, il alimente les prises en direct. Et surtout aussi, c'est maintenant chanter les prises non utilisées. C'est-à-dire qu'en fait, si tu ne branches pas quelque chose sur une prise, il va arrêter de l'alimenter pour éviter ce qu'on appelle les courants de fuite. Ou en fait, quelque chose, même s'il n'est pas allumé, bah, il y a toujours un petit peu de courant qui circule. Donc ça, il le sait le chanter également. Et sur ce modèle dont on parle, en fait, il y a 6 prises. Il y a 3 prises qui sont vraiment ondulées. Ou même si l'électricité tombe, ça, tu continues à avoir l'électricité qui circule. Et 3 prises en fait, qui sont ce qu'on appelle parasurtensées. Donc, ils sont aussi protégés contre les surtensions. Voilà, donc tu as 3 prises où tu as du jus qui arrive continuellement et 3 prises qui ne sont pas alimentées si tu n'as plus d'électricité, mais qui sont protégées contre les surtensions. Et l'intérêt aussi de ce petit onduleur, c'est qu'il a des prises réseau protégées et des prises téléphoniques protégées. C'est-à-dire qu'en gros, tu branches ta box sur la prise téléphonique de ce truc-là. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, un éclair qui tombe ou pas loin, très souvent, tu as des box qui crament justement à cause de la foudre ou ce genre de choses. Et bien là, en fait, c'est ton onduleur qui va protéger ta box Internet. Et donc, elle ne sera pas cramée via la prise téléphonique ou quoi que ce soit. Bon, alors après, toi, je te connais, Pentahouse, c'est sûrement un onduleur assez haut de gamme que tu utilises, mais toi, c'est une utilisation pro, donc c'est compréhensible. Mm. Le prix de cette petite merveille. Et bien alors, du coup, chez Grobil, tu vois, 210€. Seulement. Donc voilà. Ça se trouve notamment chez Grobil, 210. Alors justement, merci Tech de poser la question. C'est comme si on avait fait exprès. Écoute, bah voilà. Donc en fait, ça dépend de ce que tu branches dessus, évidemment. Hein, si tu branches un PC portable, ça peut te durer 1 heure. Si tu branches un gros PC gamer, en général, l'utilisation c'est entre 15 et 20 minutes. En général, c'est des durées assez courtes. Hein, voilà, c'est assez ce qui est cool, c'est que ça te permet de terminer ta partie. Voilà. Ça te permet de sauvegarder. Exactement, ton travail, ça te permet. Voilà, c'est-à-dire qu'au moins, t'es pas dans la merde, t'as le temps de faire un shutdown bien propre, etc. Donc c'est 15 à 20 minutes et donc ça a une puissance en sortie de 540 watts. Donc on parlait justement de la puissance. Donc ça te sort 540 watts en sortie, une puissance de 900 V1. Voilà, donc c'est vrai que quand on claque une config à 2 000€ ou à 1 500€, on peut mettre 200€ pour protéger sa config. Ça évite de pleurer si t'as une grosse surtension ou quoi que ce soit. Déjà, si t'achètes un PC gamer qui coûte moins de 3 000€, il te reste de la marge pour arriver à 3 000€. Du coup, avec ces 200 balles, tu prends un onduleur. Enfin, je veux dire, il faut se faire plaisir quoi, dans la vie. Du coup, l'onduleur, non mais vraiment, sans déconner, il y a eu un mec sur le chat qui a dit « Enfin, on parle d'un truc utile dans cette émission !» Merci. Hein, et ouais, c'est vrai que c'est un truc vraiment utile. Je sais que c'est pas sexy du tout, etc. Souvent. Non mais dans le domaine du taf, voilà, nous notamment, à Gaming Live, on avait énormément de coupures de courant dans nos anciens locaux. Et quand tu perds un stream, quand tu perds des émissions et des replays qui sont morts, etc., voilà, c'est des choses qu'on devrait. Et en plus, du coup, maintenant, on peut le brancher en USB ou en port série pour les plus vieux d'entre nous. Et si tu permets de piloter ton onduleur, donc tu as un logiciel que tu installes sur ton PC. Non, mais qui a encore un port série sur son ordinateur, enfin ? Bah écoute, les milieux industriels, ils ont des ports série sur leur PC. Ouais. Mais donc, il y a une interface USB, donc tu peux en plus voir en temps réel la consommation par prise électrique. Tu peux vraiment paramétrer pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant et sympa. Donc voilà. T'as moyen de piloter via un smartphone ou des choses comme ça? Non, j'ai pas encore vu. Bah, tu sais, c'est pas des trucs hyper sexy, les onduleurs. Ouais, donc, bon, c'est ton jamais. Voilà, c'est un magnifique. Et tout le monde a aussi remarqué ton superbe polo. Ah oui, de Red Bull Comité. Red Bull Comité, offert par Ken Bogarde. C'est ça, personne. Ouais, bah, j'y suis allé hier. Un bel objet. J'y suis allé hier avec ma petite femme. Donc, on a apprécié le Versus Fighting. Donc, c'était vraiment assez exceptionnel. Ça m'a rappelé Las Vegas, pour tout vous dire. Ouais, donc, assez vraiment, fou, la réelle était ouf, quoi. Fou. Bah, GG, encore une fois, à Yamato. J'ai rien fait sur la réelle d'hier. Et à tous ceux qui ont testé. J'ai juste vérifié que les pseudos des joueurs étaient bons de chaque côté. Et j'ai fait des extraits vidéo à chaque fois sur les bons moments, mais
Moi, j'ai fait les réels mais du samedi. Mais ils te doivent tout. J'ai fait la réels du samedi. Oui, mais ça c'est un autre problème. Il ne serait rien sans toi. Je suis payé suffisamment cher, On va terminer avec l'ami Krakou qui, lui, a deux produits. Oui, alors, qu'est-ce que tu as de bon en stock? Alors, moi, pour commencer, je vais vous parler d'un smartphone. Vous savez, je suis très smartphone en ce moment. Je cherche à changer le mien. Donc, j'explore un petit peu toutes les possibilités. Et une possibilité que je n'avais encore pas explorée, c'est un smartphone dit Fablet, donc de grande taille. C'est le Huawei Mate 8. Donc le dernier smartphone 6 pouces chinoise. C'est Honor qui est une sous-marque de Huawei. Il ne faut pas dire sous-marque, ils ne vont pas être contents. Sinon. Huawei, c'est pas déjà une sous-marque de smartphone? Voilà. Une filiale. Voilà. Et non, préjugé. Préjugé, Krakou. Ah bon, parce que Huawei, c'est une sous-marque de Switch. Préjugé. Alors, je voulais savoir si c'était une sous-marque de smartphone. Non, parce qu'en fait, justement, tu vas parler de ce téléphone, mais c'est aussi l'un des thèmes qu'on aurait pu aborder. Quand on dit que les téléphones chinois, c'est de la merde, Huawei est en train de prouver le contraire. Hein, ce téléphone-là, tiens, regarde. Cette magnifique capture d'écran. Qu'est-ce que c'est bien joué. Des corpos, la vache. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien joué, ça craque. Écoute, c'était facile. Oui, et tu parlais donc des marques chinoises qui font soi-disant que de la merde. Bah, en tout cas, le Mate 8, c'est l'exact contraire de cette affirmation. Alors, on va faire rapidement une petite description de la chose. Donc, je vous l'ai dit, c'est un smartphone 6 pouces, donc il est assez large. Vous oubliez tout de suite la manipulation à une main, c'est pas possible. C'est très compliqué avec le pouce, on n'atteint pas toutes les zones de l'écran. Et même quand on réduit la zone tactile de l'écran, il y a un petit système sous Marshmallow pour faire ça. Ça reste pas pratique. Donc la manipulation, c'est forcément à deux mains. Maintenant, en matière de design, on reste sur du très classique. On a une coque métallique sans fioritures. Vous avez un bouton pour la gestion du volume, un bouton pour le on-off. Derrière, vous avez les classiques de la marque, en fait, le capteur d'empreintes. Qui est sous le téléphone, ce qui est très pratique. Qui est sous le téléphone, ce qui est très pratique et ce qui permet notamment de sortir automatiquement du mode veille. À l'intérieur, vous avez la possibilité de supporter deux SIM, sachant que la seconde SIM sera partagée avec l'emplacement de la seconde SIM est partagé avec celui de la micro SD. Donc il faudra faire un choix, soit en étant la capacité de stockage, soit on met une double SIM, soit tes films. Au niveau de la capacité de stockage, j'ai pas suivi ta blague, je suis désolé. C'est soit ta maîtresse, soit tes séries. Ah ouais. Tout le monde sait, Krakou, on sait. Non, arrête. C'est que tes multiples téléphones, là, on sait ce que tu essayes de faire. Je rebondis sur la capacité de stockage. Donc, en standard, c'est 32, 64 ou 128 gigas, et c'est donc extensible. Niveau écran, on est sur une définition Full HD. On regrettera c'est peut-être pas fou, Full HD, pour un téléphone aussi grand. Voilà. Ouais. Tu vois pas la différence. Je vois pas la différence. Moi, j'ai pas vu la différence. L'écran est de très bonne qualité. En luminosité maximum, j'ai mesuré 482 CD par mètre carré, donc c'est très bon. On a un contraste. Attends, je te l'allume et tu me fais pas de conneries avec. Un stack Clash Royale. On a un contraste de 1404 points, ce qui est très bon. Et globalement, on a de très bonnes couleurs. Enfin, vraiment, il est très, très agréable, très lumineux. Et on voit très bien les émis. Vous roulez dessus sur Clash Royale. Mais surtout, il a une bonne finition. Il ne fait pas du tout cheap. Quoi. Ouais, c'est un haut de gamme. Je vais donner le prix après, mais c'est un téléphone haut de gamme. Il est lourd, je trouve, un petit peu. C'est du 6 pouces. C'est un 6 pouces, ouais. Il n'y a pas... Ensuite, oui, je parlais de Clash Royale. Donc, comme je disais, c'est un vrai plaisir de jouer. Et c'est notamment un vrai plaisir de jouer parce qu'il y en a des performances de premier ordre. Alors, j'ai plus noté sur mes petites notes le détail des composants qui sont embarqués. Mais par contre, au niveau des benchmarks, c'est une tuerie. Sur AnTuTu 6, ça donne 90 000 points. Je vous enjoins. Alors, ça va pas trop parler aux gens, ça, mais est-ce qu'il est plus puissant, par exemple, qu'un Galaxy S7, qu'un LG G5? Il est plus puissant que le S7? Ouais, c'est quasiment ce qui se fait de plus puissant actuellement. Comment on va faire? Il fait 19 000 points sur Ice Storm Unlimited, le benchmark. Ah, tu fais chier. Sur Clash, sur Lara, le Relic Run, sur NFS No Limit, sur Hearthstone, c'est du. Certains jeux sont limités à 30 FPS, mais de toute façon, tous les jeux tournent au taquet. C'est vraiment très agréable. J'ai juste de changer de téléphone. Et maintenant, tu me dis qu'il y a un truc encore mieux. On a une impression de fluidité vraiment très agréable. L'autre avantage d'avoir un téléphone de cette taille, c'est la batterie. On a une batterie de 4000 mAh. Et du coup, on a une batterie qui tient la route parce qu'avec ce téléphone, moi, je tiens en gros 2 à 3 jours d'utilisation, ce qui est relativement correct.
Mon Honor, comme je vous l'expliquais de maintes reprises, j'étais toujours obligé de le mettre au pied de mon lit sur la prise tous les soirs. Celui-là, je suis assez tranquille. Par ailleurs, bon, toujours sur des petits chiffres, vous pouvez passer, enfin, j'ai passé un test de plus de 12 heures en lecture vidéo sous Netflix. Très bien. Qui est très très honnête. Tu fais un petit pari Los Angeles en... voilà. Et ton téléphone il est pas mort et t'as regardé de la vidéo pendant tout le trajet, c'est fou. Peut-être quoi. Pas sur c'est Netflix ouf. Parce que ça va être compliqué. Dans non, mais sur tu stockes tes vidéos quoi. Enfin, bah, sur l'appareil photo, puisque c'est le dernier point que je voulais aborder, là-dessus on est sur un capteur Sony 16 mégapixels avec une stabilisation optique. Et ma foi, ça fera le job, même si... Alors voilà, j'ai pris quelques photos. Alors, ah, bon, la fameuse vache de la terrasse Webedia. Je crains que sur le stream, le détail des photos soit pas fou, ouais, c'est ne normal. Soit pas fou. Mais globalement, il faut savoir que... Alors, ce sera d'un niveau tout à fait correct, mais on n'aura pas le niveau de détail qu'on obtient, notamment S7, en basse luminosité, hein. Sur des téléphones comme... Comme le S7. Comme le S7, hein. Enfin, pour prendre un téléphone... de cette taille, ce serait plutôt le S6 Plus, ou typiquement sur le smartphone grand format. Ouais, ça reste quand même un très bon niveau, quoi. D'accord. Maintenant, voilà, ça reste un très très bon téléphone qui est commercialisé à entre grosso modo en ce moment 550 et 600 €. Ce qui est presque, alors je vais faire encore une fois hurler le chat, mais c'est presque pas cher pour un très très haut de gamme. Exactement, parce que là, il fait tout bien. Notamment quoi. Son équivalent ouais. Chez Apple ou son équivalent chez Samsung sont en général 50 à 100 € plus chers. Ouais. Et vraiment, en dehors de l'aspect appareil photo qui sera un cran au-dessus, et encore je le répète, les photos sont un rendu très très honnête, en dehors de ça, c'est vraiment très agréable. On a une surcouche, bah, c'est la surcouche classique qu'on retrouve chez Huawei ou chez Honor, qui est très proche de celle qu'on connaît chez iOS, qui sera très sobre, très pratique d'utilisation. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il y a quasiment aucun logiciel installé avec la surcouche, donc ça ne consomme pas d'espace de stockage supplémentaire. Et bah, voilà, une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de s'en passer, tout simplement. C'est... D'accord. Un très bon produit. Et voilà le chat qui est encore une fois outré parce qu'on dit. On n'a pas dit que c'était pas cher, c'est moins cher. Voilà. C'est-à-dire que voilà, un haut de gamme Apple c'est plus cher, un haut de gamme LG, Samsung, ce que vous voulez, c'est plus cher. Donc là en fait, tu as du très très très, très bon matos. C'est un téléphone à une demi-barre de son à 1 200 €. C'est ça, c'est même pas la moitié d'une barre de son. Bien sûr. Et du coup, ça reste quand même très haut de gamme dans les performances. Non, pour les prestations, c'est un très bon rapport qualité. Moi, il me fait beaucoup penser au 950XL en fait en Windows Phone en termes de caractéristiques. Qui a baissé etc. de prix Qui a baissé de prix de 950XL. À moins de 100 €. Ouais. Parce que sinon, faut pas le prendre. Mais... quoi non, mais il est moins cher que les autres, quoi. Ouais, il est moins cher. Cracou, on va terminer alors, rapidement parce que vous savez que juste après, il y a Metabo Bouta. Le Metabobuta, connais-tu le Metabobuta? Oui, bien sûr, c'est le gros porc. C'est le gros porc. Donc, il y a Karaté juste après. Donc, on va terminer rapidement sur cette souris. Voilà, une souris rapide. Ça va être rapide pour deux raisons. D'abord, parce que c'est la Sabre Corsair et que c'est un modèle qui existe déjà depuis un moment. Hein. C'est une gamme. C'est fou, qu'on Corsair, chez pour Corsair. Moi, c'est encore la RAM et les alim. Et là, il y a des souris et des claviers. Ils font tout, quoi. Et en plus, ouais. Ils le font bien. Notamment parce que cette souris-là est typiquement à l'image des produits Corsair. C'est-à-dire que. C'est pas d'une originalité folle, mais par contre, c'est des produits très efficaces avec des bases solides. Donc, dans le détail, on a un capteur 10 000 dpi. On ne va pas revenir sur l'intérêt de monter aussi haut dans les dpi. Ça servira essentiellement sur les écrans à forte résolution type 4K. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le capteur est fiable. On n'a pas de décrochage, on n'a pas de lag en aucune circonstance. C'est très propre. Également, la saisie, c'est un modèle de confort. La souris tombe vraiment très bien sous la main. Qu'on la prenne entre les doigts ou à pleine paume comme ça, c'est vraiment nickel. On a 5 boutons qui sont très très bien positionnés. 2 ici sur la tranche du clic gauche, 1 ici derrière la molette et 2 sur le côté, c'est du classique. On a également 3 zones rétroéclairées qui seront configurables sur 16 millions de couleurs. On a un petit indicateur ici sur la gauche. C'est pas des chômeurs chez le gros porc, c'est des gros cassos comme Kefka par exemple. Qui changera de couleur en fonction du profil de configuration qui sera actif. Elle est très légère, on a 109 grammes. Bref, c'est un modèle de prise en main. Il y a vraiment ouais, sauf qu'elle est encore pour droitier, hein. Moi j'en ai marre. Elle est encore pour droitier, bah, ça malheureusement c'est quelque chose de très très commun sur les souris gamers. Vous allez me la refaire à chaque fois que je vais vous présenter une souris. Oui. Et je vais vous dire malheureusement sur les souris pour gaucher, les mecs ne se font pas assez de fric pour que ce soit rentable. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Finalement, bah, on n'aura pas grand-chose à lui reprocher. Si ce n'est son prix, non, on a l'habitude. Même pas. Elle est à une soixantaine d'euros. Entre 55 et 60 euros. Quoi ? Ce qui est relativement modeste. Ce qui est dans le... Ah, ok. Très bien placé pour... Ouais. Pour le type de fonctionnalité qu'elle offre. Maintenant, ce qu'on pourra juste lui reprocher, c'est plutôt une comparaison avec la G502, qui reste notre maître étalon sur cette catégorie de prix. Notamment, bah, l'interface logicielle de Corsair est complète, mais c'est encore un peu le bordel, il faut bien reconnaître. On a du mal à retrouver ses petits de temps en temps. Également, la molette est actionnable que sur deux axes. On aurait bien voulu avoir un basculement droite-gauche, c'est ce qu'on a typiquement sur la 502. Et on n'a pas de possibilité de la lester. Moi, je suis très à l'aise avec des souris légères comme celle-là. Maintenant, il y en a qui aiment bien sentir un peu plus leur souris en main. C'est typiquement ces trois fonctionnalités qu'on retrouve sur la G502 qu'on n'a pas sur celle-là. Maintenant, celle-là restera très bonne. Et notamment, on avait dû parler de la ROCAT Kova dernièrement, l'édition 2015. Ça, ce sera une excellente alternative à cette souris-là. Vraiment, de toute façon, en gros, en ce moment, pour moi, si vous devez choisir une souris autour de 60 euros, vous avez la Kova 2015, vous avez celle-là et vous avez la G502 de Logitech. Voilà. Ok. Eh bien, merci, Krakou, pour cette petite aparté journal du pauvre avec des produits à moins de 100 euros. Bon, ça, c'est journal des classes moyennes, hein, journal du pauvre. Journal des classes moyennes. On va faire des gammes, on va faire des thématiques dans l'émission. Ah, mais bientôt, je vais me ramener avec mon boîtier à 4500 euros et là, vous allez. Ah, ne spoil pas. Ah, si, j'ai envie de vous montrer. Krakou, bon, ok, maintenant c'est dit. Krakou a reçu un boîtier de PC, pas le PC, juste le boîtier, qui coûte 4500 balles. Et on s'est dit. On s'est dit, c'est bien pour le journal du hardware. Ça, c'est du journal du hardware. Ça, ça le fait. Du coup, il va nous parler de ça d'ici quelques semaines. Tu voulais ajouter un truc, Mentaro, je crois ? Non ? Je sais pas, je te voyais prêt. Que tu es beau sous la lumière. Prêt à bondir, enfin, je suis beau sous la lumière. Tu es beau dans ce polo Red Bull. D'ailleurs, je le porte avec fierté. Ouais, tu le portes avant d'aller faire tes courses chez Gros Bill. C'est ça. D'ailleurs, il faut pas que tu fasses péter ta CB, parce que tu m'en parles, mais je vois pas la CB venir, donc... La CB ? Bah oui, t'as CB pour acheter Grosville. Ah oui, pour acheter. Oui, bah, on... Ni du Tosma, là, bordel. J'en profite. Depuis qu'on a annoncé le prix du boîtier, le chat en PLS. Ça. Non, mais attendez, il faut ce qu'il faut. J'en profite pour dire justement qu'on parlait du partenariat avec Grosville. Grosville nous a envoyé un PC compatible réalité virtuelle avec un Oculus Rift. Donc ça, c'est très cool. Et on en parlera aussi d'ici. Il nous l'envoie à nous, c'est jeuxvideo.com qui le squatte. C'est moi qui l'a. Bah, d'ailleurs, tu pourras l'essayer si tu veux. Ah, tu veux essayer l'Oculus ? Tu lâches pas. Bah, là, je crois que Krakou fait jouer avec l'Oculus. Oui, c'est vrai. Alors, le PC est sûrement très cool, mais l'Oculus. Mais du coup, on pourra vous dire. Voilà, de toute façon, c'est toujours pareil. On reçoit des produits, c'est Krakou, il met tout dans ses armoires, on les voit jamais. C'est craqué. C'est Krakou. Moi, il m'a juste filé un vieux clavier membrane à 40 euros que je testerai la semaine prochaine. J'avais de la chance. Du coup, on vous parlera de ça prochainement. Merci Yamato, tu vas pouvoir aller te reposer, tu l'as bien mérité. Merci Krakou. Merci Pentaru, qui est vraiment de plus en plus mes beaux gosses. Quoi. Vraiment, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est l'effet comité, en fait. Tu es tellement bien dans ce polo. Voilà, on vous laisse avec Monsieur Karaté, qui devrait streamer de chez lui. Soyez indulgents. Ouais, cette fois-ci, Monsieur Karaté. Il y a la fibre, rayée. Ouais, Karaté a au moins la VDSL, donc il pourra streamer. Mais il stream quoi d'ailleurs ? Il n'habite pas à Argenteuil, lui. J'espère qu'il n'installe pas les mêmes antivirus qu'il a téléchargé ici. Quoi. Non, ce soir c'est un petit jeu indé. Parce que le chat n'est pas au courant, mais il est venu mendier un abonnement PS Plus pour pouvoir finir Dark Souls 3 en invoquant des gens. Mais j'ai fourni à Monsieur Karaté un abonnement. Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais c'était tellement bon de le voir guaquer, il pouvait pas invoquer. Ah, c'est pour invoquer. Mais oui, sinon il peut pas invoquer parce que si tu payes pas le PS Plus, tu peux pas jouer. Ah, c'est pour ça. Moi, je lui ai payé un abonnement PS Plus pour qu'il puisse jouer. Oh non, quoi. T'as ruiné l'intérêt de l'OPSP là. Donc il y a Doust Blazy qui va venir et qui va tout faire à sa place. C'est trop facile. Ah, ça j'aurais peut-être pas dû. Ah non. Ah là, je suis guaqué là pour le coup. Ah, je suis tellement guaqué, Trunks. Bon, en tout cas, voilà, on vous laisse avec le Métabo. Et on fait des gros bisous. On dit merci à Grobil, notre partenaire. Merci à Tech et à Théo qui ont assuré pour la réalisation de l'émission. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et je vois des Nick Trunks sur le chat. C'est con parce que là, je vais vous bannir juste avant l'émission de karaté. Et ça vous fera bien les pieds, du coup. Voilà. À la semaine prochaine. Ciao, tout le monde. Salut.